Bon, c'est parti pour cette vidéo Instagram décide de ma journée. Je dois donc me lever plus tôt pour lire. J'avais mis mon réveil à 6h30, mais à 5h30, ma fille m'a réveillée. Là, il doit être 5h50. Du coup, bon, comme j'arrive pas à me rendormir, je vais commencer à lire. Il fait déjà jour. Et donc, je vais lire Le restaurant de l'amour retrouvé, comme c'est ce que vous avez choisi à 86%, je crois. Il faut que je regarde à nouveau, mais voilà. Donc, bah, c'est parti. Et puis, ce matin, après, je me préparerai et puis j'irai à la librairie. Comme vous avez décidé de la librairie, enfin, il reste encore quelques heures. Vous n'avez pas trop pensé à mon budget, hein. Donc je vais prendre deux livres à la librairie, voilà. J'espère que je vais trouver en français des trucs bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en français. Donc, on va voir. J'ai lu 30 pages. Je parle pas fort pour pas réveiller tout le monde. Donc, de ce livre, Le restaurant de l'amour retrouvé, qui est pas mal pour l'instant, ça commence bien. Voilà, le personnage principal est assez attachant pour l'instant, mais c'est que le début et l'écriture est très fluide. Donc voilà, en même temps, c'est pas le premier livre de Gawa Ito que je lis, et j'avais beaucoup aimé l'autre que j'ai lu, Le ruban. Vous en avez parlé dans une vidéo d'ailleurs, ça faisait partie de mes livres coup de cœur. Voilà, donc c'était avec cette magnifique tête, hein, que voilà, je me préparerai après. J'ai vraiment envie d'aller redormir 10 minutes. Je suis vraiment fatiguée, je me suis endormie super tard et je me suis réveillée donc à 5h15. Donc là, je vous avouerai que ça pique un peu, il est 6h45. Donc ça fait 50 minutes que je lis, 45 minutes. Oui, je n'ai lu que 30 pages, je lis pas vite, et puis je grignotais des petits biscuits en même temps. Donc voilà. Donc je pense que je vais me recoucher un peu, puis reprendre ma lecture à mon réveil pendant mon petit déjeuner, etc. Voilà. Mais je me suis bien levée plutôt pour lire. Mais là, j'ai les yeux qui se ferment, je vais pas tarder à m'endormir sur le livre. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix, donc il va falloir que je choisisse quelque chose là. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Voilà, j'hésite. Peut-être le carré d'huile, peut-être dépendre parce que j'ai le premier. Je sais pas, je vais réfléchir. Bon, en français, du coup, j'ai pris carré d'huile parce qu'en fait, le dépendre, je me dis si j'aime pas le premier, et que j'ai acheté le 3, c'est un peu bête. Donc j'ai pris ça et je vais regarder pour un livre en allemand quand même parce qu'il n'y avait pas d'autres livres français qui me plaisaient. Plus que ça, je sais pas trop. Du coup, je jette un œil quand même pour voir. Bon, au final, j'ai juste pris un livre à la librairie et l'autre, je vais le prendre à la bibliothèque. C'est un petit joker, mais il y avait aussi pas mal de gens qui avaient voté pour bibliothèque. Parce que franchement, il n'y en a qu'un qui me plaisait, donc j'allais pas prendre un livre que j'avais pas envie d'avoir ou d'acheter tout de suite. Voilà. Donc je vais prendre un autre à la bibliothèque et comme ça, je vais prendre un en français. C'est quand même pas mal beau. Et en fait, il y a une partie qui est une très très vieille salle de la bibliothèque et qui se visite une fois par mois. Donc je pense que je ferai la visite un jour parce que je trouve ça très beau. Je suis en débardeur. On a dormi, je pensais pas dormir autant, mais on a dormi une heure et demie. Du coup, là, j'ai pas encore lu, mais on va aller à la plage. Et du coup, à la plage, vous avez décidé que je prendrais un livre et pas un magazine. Du coup, je vais prendre le livre que j'ai commencé ce matin, Le restaurant de l'amour retrouvé. Ça veut dire qu'il y a des méduses urticantes et c'est vrai qu'hier déjà ou avant-hier, je sais plus, à la plage avant-hier, j'en ai vu une énorme et une dame qui s'est fait piquer. D'ailleurs, si vous vous faites brûler par une méduse,
il faut tout de suite mettre du sable et frotter avec du sable fort, parce qu'en fait ça fait partir le poison, je sais pas vraiment comment expliquer, en tout cas c'est ça qui aide, et surtout ne pas croire la légende urbaine qui dit qu'il faut faire pipi dessus, c'est faux, il faut pas faire ça. Il est presque 10h, il est 10h moins le quart, parce qu'on est allé après chez la grand-mère de Nils et tout ça, donc je n'ai pas encore attaqué les 100 pages. Je vous avais demandé 50 ou 100 pages et vous avez répondu 100 pages. J'aurais dû demander 20 ou 50. Mais là, j'avoue que je suis crevée. Je vais essayer de lire les 100 pages, franchement. En plus, vous m'avez dit que je devais lire dans mon lit. Donc il est fort probable que je m'endorme. Si ça avait été dans mon canapé, il y aurait plus de chances que je reste réveillée, mais là, voilà. J'avais demandé canapé ou lit, vous avez choisi lit, c'était quand même un peu serré. Et 50 ou 100 pages, vous avez choisi en grosse majorité 100 pages. Donc voilà, on va voir. La plage, c'était cool, mais lire à la plage avec un petit de 2 ans et demi, enfin avec une petite de 2 ans et demi, c'est presque mission impossible. J'ai lu 10 pages, puis après on est allé manger un fish brötchen sur le port, donc voilà. Mais c'est cool en tout cas, je sais pas ce que ça va donner les vidéos parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais je le referai, on va dire que c'est la première fois, donc la prochaine fois j'essaierai de m'améliorer et de faire ça un peu mieux. Et voilà, mais j'ai trouvé ça cool en fait que vous guidiez un petit peu ma journée de lecture. Ah oui, du coup je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté à la librairie L'insouciance de Karine Thuil en poche, voilà, qui coûte plus cher qu'en France. Là, je l'ai payé 10,99€ parce que c'est les livres importés, donc c'est normal. J'ai hâte de le lire. C'était un peu le seul qui m'intéressait. En fait, j'avais très envie de trouver un livre de Günter Grass parce qu'il y a le musée de sa ville de... Mon Dieu, la fille ne sait plus parler. Il y a le musée Günter Grass ici à Lübeck puisqu'il a vécu à Lübeck et je crois même qu'il est mort à Lübeck. Du coup, voilà, j'avais très envie de lire un livre de Günter Grass. Il n'y en avait pas en français. Et comme il n'y en avait pas d'autres qui me plaisaient à la librairie, j'ai un peu triché et je suis allée aussi à la bibliothèque prendre le deuxième livre, puisque je vous avais demandé un ou deux livres et vous m'avez répondu deux livres. Et je vous avais demandé bibliothèque ou librairie, c'était assez serré je dois dire, mais c'était librairie qui l'emportait. Mais du coup j'ai acheté un livre à la librairie et j'ai emprunté un livre à la bibliothèque. Je pensais trouver à la bibliothèque un livre en français de Günter Grass, il n'y en avait pas, peut-être qu'ils étaient déjà empruntés, mais j'ai trouvé Petit Pays de Gaël Faye, je suis très contente de l'avoir trouvé, il est assez court, donc je vais le lire parce que j'ai déjà trois autres livres de la bibliothèque à la maison que je dois finir, donc voilà, je vais lire celui-ci et puis je vous en parlerai bien sûr dans un update lecture, et puis c'était cool, c'était une bonne journée. Je pense que si je le fais en hiver, j'aurai plus le temps de lire, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on voulait aller à la plage, on voulait profiter du soleil, du beau temps, donc voilà. Mais c'était très chouette. Merci.